Brigadier a placé des renforts pour tendre une embuscade au loup. On fait des cibles faciles pour les Russes. Oui, on a peu de temps. Les hommes de Barkov sont en chasse. Il a plus le contrôle. Il va vouloir nous. Attends ici. En route. Il faut qu'on intercepte le loup au col. Avant la guerre, ce village était rempli de familles, Ydria. Le rire est le meilleur des remèdes. Pas une blague? Comment un agent de la CIA soigne une hernie? Comment? Avec une infiltration. Pas mal. Pas aussi drôle que je pensais. Mais j'apprécie l'effort. Gardez tout ça à portée de main. À vos ordres. Salut. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Shabab. Son petit lion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort au combat. قوات القتلة الخاصة أدمين سيدتي. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex, regarde ça. L'APUA calibre 338 transperce les blindages à 600 mètres. Ça te fait jouer. Moi-même. Vas-y, prends-le. Tu me le prêtes? Eh, Adir, franchement, t'es trop sympa. Putain, le truc. Waouh. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie, et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. Regarde dans ta lunette. Oui, oui, ah. Deux secondes, Farah. Laisse-moi m'installer. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Je vois. Visu. Maintenant, ajuste le zoom. Ok, commandant. Quelle déférence. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le, et tu verras mon équipe en position près de la route. Ok. C'est bon, je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Aya, place une cible près du bus. Parce que t'en es capable. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Ok. Mets-toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres, donc vise deux encoches au-dessus. Vise deux encoches au-dessus du bidon d'eau. C'est quoi? C'est le bidon vert, là? J'ai raté un truc. Deux encoches, entendu. Le vent va dévier tous tes tirs. Utilise les drapeaux pour connaître la direction. Ok. Tire contre le vent. Ok. Tire, vas-y. Touché. Elle chante pour toi, Alex. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va merci à dire. Cible à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond. Tu la vois? Affirme. Je vois la maison bleue. Il y a un fruit sur la glacière. Ouais. Distance 600 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Touché. Waouh! Il est impitoyable. Eh ouais, mon frère! J'ai entendu ça. Yahweh, concentrez-vous un peu, les garçons. Ok. Bon, t'as compris le principe. J'ai compris. Oublie pas. Utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder. C'est ça que vous appelez autoroute là? Ok. Et tes potes sont toujours là? Ok. Il y a du vent, mais c'est tout. J'ai repéré quelque chose, près de la pompe à pétrole. C'est rien, juste des chiens. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Ok. Un véhicule en approche par l'est! Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. On dirait qu'on a enfin de la compagnie, mais ça a pas l'air d'être le loup. Non. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. On va peut-être les laisser passer, non, pour que le loup y vienne. Parce que là, si je leur tire dessus,
Tu les vois? Ils vont donner l'information, non? Le toit, Alex. Ok. Deux, sur le toit. Oui, visu, oui. C'est bon, je les vois. 400 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Touché. Il en reste un. Bien visé. Deux hommes du loup en moins. Ali, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas? C'est pas envisageable. Bien. Maintenant, mettez-vous à couvert et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up. Ils sont remis là, d'accord. Attends qu'il soit tout prêt, puis fais-le sauter. Ok. Cousin, je vois le convoi à l'est. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez fort, cousin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Je vois pas le loup, hein. Soit à portée pour tirer. J'attaque ? Non. On les laisse s'approcher. Encore un peu. Allez, soyez pas timides. Ouais, ils sont tout proches, là, putain. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Y'a les gars qui sont à nous, là ? Je les regarde. Chaud ! Tiens-toi prêt, Alex. Ouais, ok. Fais exploser le véhicule, Alex. Ils sont à droite du... Bien joué. Recharge. Ouais, visu, attends, j'essaie d'avoir des mecs sur le bus. Alcatala sur le bus, touché. Visu, les mecs sur le bus. Recharge. Il y en a dans le bus aussi. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? On va le faire péter le véhicule ou quoi? On te fait pas reculer! Fais-le! Ali, recule-toi! Reste pas là! Oh putain! Je recharge! Ouais, mais attends! J'étais en train de m'occuper des mecs qui étaient derrière là! Attends, il est où le troisième, le quatrième véhicule? Oh bordel. Il y a un mec qui me tire dessus. Ah oui, d'accord, ça vient de derrière. Ah, je brûle. Ah, c'est chaud, Farah. Maman, j'ai mal.
crois que je vais prendre les hauteurs, Farah. Bouge pas. Mauvaise idée, Farah. Chaud. Ok, on lâche ça tout de suite. Attire. Putain, mais... Recharge. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est quoi ça? Les mines. On n'a pas d'explosifs, rien. Les grenades ou autre. Ça monte, ça monte. Ouf. Des mortiers. Alex, descends-les. Ils sont où? Ils sont où? Surveille le flash quand ils tirent. Ok, visu, j'ai vu le départ. Recharge. Notre équipe de mortiers d'Alcatala. À bas là. Putain, j'ai pas vu d'où ça partait. Ok, visu. C'est dans mon visage. C'est bon. Laissez une. Putain. Négatif. Il reste un mortier actif. Où est-ce qu'ils sont? Pas de visuel. Qu'est-ce que tu vois? À 600 mètres, Alex. J'ai du mouvement, près de la maison bleue. Visu! Mortier neutralisé. Allez, QG, à gauche! Gauche! Arrête ce pick-up, Alex! Oui, oui, deux secondes! Tire sur le pick-up! J'ai compris, Farah! Oh, il met des feintes, il met des feintes! Je recharge. Il est blindé en plus, mais je l'ai pas touché de toute façon. Le pneu. Oh. Recharge. Mais j'ai pas buté les mecs au mortier là-bas. Hein. Bien joué, Alex. Le loup doit être en chemin. Sinon, ils auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EEI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alex, fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour le loup. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Cocktail molotov, je prends. Quoi ça? Bison. Y'a pas des mines pour mon fusil là? Si, c'est bon. On va garder ça, j'ai 300 des bandes, ouais, ok. Encore des explosifs, qu'est-ce que je fasse exploser? Pourquoi pas? Comme tout à l'heure, l'ennemi approche, on le fait sauter. Garde tes distances. Tu veux que je me mette tout? Alex. Ouais. Le capitaine Price s'appelle à la radio. Il dit que c'est urgent. Et où la radio? Ah ok. Allez-y. Leader, ici Echo 3-1. Alex, le loup a quitté la ville. Oh putain. On est en route. Sniper. À couvert. Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqué. Il faut pas qu'il vous voie. Il a reçu, on arrive. À couvert. Les coups de feu venaient de l'autoroute. Descends-le, vite. Waouh, il y a beaucoup de vent là. Ok. 4 encoches sur la gauche. Oui, oui. Je le cherche. Il change de position.
Merde, oh, je suis passé à travers, j'ai eu de la chance. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. Yes. Bien joué ça. Ouais les mecs, bien joué. Ça fait plaisir de vous voir ici les mecs. Bouge pas à dire, je me mets là. J'aurai un meilleur visuel. Comment ça? Ah oui, exact. J'aime pas ce bruit là, c'est quoi? Des véhicules de transport russes au nord-ouest. Oh putain. Alex, essaie de les arrêter. On ne pourra pas percer l'emblindage. Bah tu veux que je fasse comment alors? Vise leurs pneus pour les ralentir. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Putain, c'est chaud hein. Tire sur les pneus. Oui, j'ai compris Faut que je chope les autres là. Recharge. Oh bordel. Occupez-vous de ceux qui sont proches. Je m'en fous, occupez-vous de ceux qui sont proches, j'ai dit. Oh, elle a perdu la tête. Ah, mais non, mais vous êtes vraiment nul. On peut pas compter sur vous, c'est embêtant ça. Ça, c'est vraiment embêtant, tu vois. Ok, je lance un cocktail. Ben oui, parce que Bibi, il faut qu'il fasse tout. Tiens, tu as vu celui-là, boum. Il y en a d'autres qui veulent. Mais oui, mais ils nous font le bac là. Oh là 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 là, c'est incroyable ça. On doit tout faire dans. Eh oui, je vais lancer un cocktail. Mais attends deux secondes. Oh, bien joué. Mais... il était pas touché lui. Recharge. On fuit. Ah, ça part trop vite les munis que cette mitrailleuse. Oh la flash. Oh la flash. Merde. Je recharge encore. Ça part trop vite, je te jure. Faut que j'aille où? Faut que j'aille à dire.
Ah putain! Qu'est-ce que j'ai pris dans la tronche? On va s'en servir! Ouvre le rayon, allez vite! Ok, 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 ok! Pourquoi elle avait du gaz à dire? Quoi? Ils peuvent s'en servir. Nous aussi. Vite par là. Mais à dire, j'ai pas mon masque. Putain, à dire, tu nous as trahis. C'est toi qui avais le gaz. Dire ce que je viens de dire, à dire. C'est quand même toi qui avais le gaz, enfoiré. On n'avait pas le choix, enfin. On a une chance maintenant. Non, pas comme ça. Foiré, à dire. Alex, t'es une merde, Adir. Je t'apprécie, mon gars. Écoute-moi. J'ai volé le gaz aux Russes. T'es qu'une merde. Pour nous aider. Juste pour nous aider. Dis-le, Farah. Dis-lui, Alex. Laissez-le la maison.
va trouver Abby et on va partir. Wally, Abby, ils cherchent des combattants de la résistance. On doit partir tout de suite. Je peux pas, mon fils est à la maison. Je vais t'aider. Allez, viens, suis-moi. Il n'est pas prêt, Jacques. Je reste à la maison. Ma chérie, je vais aller m'assurer qu'on craint rien. Reste derrière moi. D'accord, papa. Fais ce que je te dis, et tout se passera bien. Ok. Allons-y. Par ici. C'est bien, ça nous protégera un peu du gaz. Suivez-moi dans la cuisine, tous les deux. Où est maman? Maman ne viendra pas. Désolé, mon garçon. Pourquoi ils font ça, papa? Ils pensent qu'on aide les rebelles. Tiens, prends le masque, d'accord? Farah, elles sont aussi? Tu gardes le tien. Je vais aider ta sœur. Viens. Les téléphones. Si jamais on est séparés. Ok, on va franchir le pont et se mettre à l'abri dans les montagnes. Venez. Et s'ils nous attrapent, papa? Ils vont vous emmener et vous enfermer. Je veux pas partir. Ok. Écoute, je sais. Je te le promets, on reviendra. Adir, faut que tu sois courageux pour ta petite sœur, d'accord? Pense à ta maman et surtout sois futé. Voilà, c'est ça la survie. Tu m'as compris? Oui, papa. Écoutez. Quand on sera dehors, suivez-moi bien, ok? Non, papa! Adi, vite, derrière moi! Non. Il n'y a personne. C'est seulement mes enfants, pitié! Со снайпером? Мы слышали доклад. Где? Тащи то, что есть, и мочи остальных. Принято. Отбой. Засранец. Parlez-moi, je peux vous aider. Je
frappeur. Dites quelque chose. Je vous ferai pas de mal. Je vous ferai pas de mal. Grâce au pavot. Allez, viens. Papa ? Chérie. Il faut que tu te relèves. Je dois vous laisser. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut survivre. Survivre à tout prix. Non, non, c'est jamais. Ils ont rien fait. Ils tuent tout ce qu'ils voient. Attention, il y a des soldats. Reste près de moi, d'accord ? On va aller à la plage de l'autre côté.
Merci. Вряд ли они что-то знают. Тихо. Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Сопротивление? Ничего сложного. Женщины, дети. Идут к машинам. Полный комплект. Кто journée. Les grillons, c'est la nuit. Ah, peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con si t'imagines que c'est des grillons. Putain ! André ! Non ! Où est-ce que t'es passé, gamine ? Tu l'as fait ! Tu nous as sauvés ! Faut qu'on parte d'ici ! Alors c'est vous les deux diablotins qui tuent mes soldats. Parfait.